Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel échange avec un acteur du monde associatif. Aujourd'hui, c'est un peu particulier car je vais accueillir un ancien élève, donc Stéphane, qui fait partie du club de tennis de Valvert. Il a suivi la formation, développé ses partenariats privés il y a quasiment un an. Et en fait, on se suit régulièrement car il me pose des questions sur ses projets, je donne mon avis, j'échange avec lui pour prendre des nouvelles. Et on a eu l'idée de faire ensemble cette interview pour discuter des partenariats et vous aider vous aussi à développer votre nombre de partenaires. J'ai retrouvé quelqu'un d'hyper motivé, quelqu'un d'organisé, qui relève des défis et des défis de taille parce que vous allez voir qu'il a un projet avec un énorme budget pour une association à relever et il essaye de faire ça avec un dynamisme et une qualité professionnelle à toute épreuve. Il nous va nous présenter ses supports de communication, sa méthodologie, ce qu'il fait pour avoir des partenaires. Et là, je vous donne déjà un chiffre, il a dépassé les 8000 euros de partenariat privé à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse regarder notre échange. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Salut Stéphane, bienvenue chez Optimasso. Donc on aide le monde associatif dans son développement. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel échange. Comment tu vas? Salut Clément, ça va bien. Ravi aussi que tu prennes le temps de venir prendre de nos nouvelles. Ben, écoute, Fait plaisir. avec grand plaisir. J'aimerais ensemble, là, sur la petite demi-heure, qu'on échange un petit peu sur les partenariats privés, donc ton rôle notamment au sein de l'association. Mais avant, j'avais juste une question, mais comment toi, tu as fait pour rentrer dans ce monde merveilleux qui est le monde associatif? Je sais pas si c'est le hasard de la vie, mais en fait, j'ai toujours été impliqué dans le monde associatif. J'ai fait du sport très tôt, dans le monde associatif. J'étais directeur d'antenne dans une radio dans un monde associatif. Ah, ok, trop bien. Après, je suis parti dans le privé pour les orientations un petit peu plus professionnelles et puis voilà. Et en parallèle, donc j'ai continué le sport dans le monde associatif, forcément. Et ensuite, mon fils a intégré le tennis club de Valvert il y a 2 ans. Le tennis, Et donc ok. voilà, c'est Valvert. Et donc le bureau m'a demandé, de par mes dispos et puis mon engagement, d'intégrer le bureau et la partie relations extérieures partenariat il y a quasiment un an maintenant. Ok, Voilà. et du coup, Donc c'est quoi qui t'a oui. poussé à prendre cette partie-là? Parce que, en règle générale, dans mon associatif, c'est, tu vois, les partenariats privés, c'est pas celle où on se jette dessus, tu vois. On va dire, ok, je vais organiser un Ouais. événement, tenir une buvette, mais les partenaires privés, en règle générale, tout le monde a fui un petit peu. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à récupérer ce projet? Peut-être la relève du défi, Ouais, ok. la non-peur de l'inconnu. Ouais, est-ce qu'on pourrait appeler ça un parallèle par rapport au sport? On doit tout pouvoir faire et à un moment donné, si on C'est s'y clair. attelle d'une manière intéressante et structurée et sur les conseils avisés d'Optimasso lors des formations, eh bien on arrive. Enfin, je dis pas ça pour faire du cirepon, vous allez comprendre. Chers auditeurs, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je pense que la vie est un défi et aller chercher des partenaires, c'est aussi un défi. Une compétition, c'est un défi. Et tout est un défi. Donc, en fait, sans partenaire, il n'y a pas de club. Sans entraîneur, il n'y a pas de club. Sans bureau, il n'y a pas de club. Sans finance, il n'y a pas de club. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, de se dire que, je sais pas, moi, j'aime autant m'occuper du partenariat que du secrétariat. Hein. Voilà, par exemple. Ok, ouais, mais carrément, carrément. Alors du coup, de mémoire, ça fait un an donc tu avais suivi la Ça fera un an au mois de formation, novembre, un an au mois de novembre, ok, pour donc développer tes partenaires privés. Vous en étiez où avant la formation? Il y avait un ancien bureau avec un ancien employé, en fait, qui devait s'occuper des partenariats. D'accord. Bon, il l'a fait à son temps. C'était plus ou moins un emploi, voilà, qui était beau sur le papier, mais pas dans la réalité. Donc, il y a eu une dissolution du bureau il y a un an, au mois de mai, l'année dernière. D'accord, ok. Et donc, de ce fameux secrétaire général, entre guillemets. D'accord. Et donc, septembre, la rentrée, bon, avec tous les aléas, le Covid et tout machin. Voilà, et au mois de novembre, après différentes réunions, après avoir regardé un petit peu quelles orientations on pouvait prendre,
un staff disponible parce que au 29 octobre, on est reconfiné. Donc, c'est vrai, du coup, les entraîneurs et entre autres le directeur sportif un petit peu de temps, on travaille ensemble. D'accord. On a plein d'idées et voilà, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit dans la vie associative ou dans le domaine privé et dans la vie de tous les jours. Alors attention, c'est propre à chacun. Il y a des personnes où la routine suffit. Oui. Moi, c'est pas trop mon délire. J'aime bien un petit peu l'inconnu, aller braver les interdits et puis franchir des barrières. Ouais. Bon, surtout dans le monde associatif. Dans le monde associatif, ouais. En règle générale, hein, si on se développe pas, si on évolue pas, on régresse, quoi. C'est très rare qu'on stagne, hein, parce que il y a tellement de mouvements autour, ça change tellement très rapidement que si ouais. On reste dans le train-train, en règle générale, c'est un peu compliqué. Ouais, complètement. Et donc, on a commencé en fait par mettre en place une plaquette qui présentait, même pas une plaquette grand public, on va dire. Ah oui, d'accord. Okay. Qui allait chercher en fait les partenaires. Donc, il y a eu d'autres suppléments quand même, puisqu'on a rajouté un petit feuillet à l'intérieur avec soutenez-nous, devenez mécène. Donc, feuillet d'appel en format A5, okay, et plaquette de présentation distribuée à tout le monde dans les magasins de sport, chez nos partenaires et un petit peu dans un périmètre de 5 km en fait du club, un petit peu plus même, de manière à ramener des adhérents, mais aussi dire en dernière page, en plus du feuillet, soutenez-nous, devenez mécène ou sponsor pour le développement de notre club. Et on a rajouté une petite phrase qui dit parce que, trois petits points, le tennis club Valvert et le monde de l'entreprise proposent des valeurs communes au sein d'une équipe soudée et solidaire. Parce que vous souhaitez une association pleine d'ambition à se développer, soutenez notre projet. Et donc là, on a expliqué un petit peu quels étaient les projets. Donc les projets, on l'a un petit peu agrandi en fait sur un feuillet partenaire et mécène qui, lui, est spécialement dédié en fait aux éventuels partenaires. Okay. Vos projets, c'est quoi? C'est je vois trois terrains. Ah, ou c'est ça, c'est voilà, c'est les terrains en terre battue que l'on veut rajouter. Il y a deux cours de paddle qui pourraient s'autofinancer. Okay. Et puis donc voilà, et puis une extension du clubhouse. C'est donc, un peu ce que je dis. Vous avez déjà budgétisé un peu ce groupe? Pour moi, ça paraît énorme, cette infrastructure là. C'est combien en termes de finances? Tout est budgétisé et là pour les deux cours de terre battue, alors ce sont des cours existants. Hein. C'est d'accord. En fait ah oui, à Valvert. À Valvert, on avait déjà ces deux cours-là qui sont en béton poreux. Ces deux cours-là qui sont en béton poreux. Là, c'est un espace multisport. On voulait faire du badminton, mais malheureusement, on n'est pas aidé par la collectivité. Absolument pas. Donc, je vais aborder un petit peu le sujet aussi et pourquoi les partenaires. Okay. Et donc là, on a la halle couverte avec trois cours homologués plus un cours d'entraînement au milieu, donc quatre cours dans cette halle. Et là, on a un cours existant et on voulait rajouter deux cours de paddle. On serait le deuxième club de la Vienne avec l'extension du club house derrière. On serait le deuxième club de la Vienne à proposer des cours de paddle. Le premier étant le 7.20 avec trois cours. Ok. La question, c'est pourquoi les partenaires? Alors, tu as commencé à lancer un petit peu le... Eh bien, parce que, alors, l'enveloppe globale du projet, pour répondre à ta question tout à l'heure, Cléon, c'est 240 000 euros. OK. Voilà. Ça représente une somme. Valvert a un petit peu d'apport. On a des subventions aussi de la FFT et puis du département. OK. Pour l'Europe, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait que ça passe par la collectivité. Comme elle ne nous soutient pas, ben voilà. Et donc, pourquoi les partenaires? Ben, les partenaires, en fait, c'est le petit plus qui vient participer au projet où on peut aussi leur laisser des créneaux. C'est-à-dire qu'on fait un échange. Vous donnez 15 000, c'est pas arrivé, mais on a le droit de rêver. Mais c'est clair, c'est sûr. On peut faire un naming sur un cours de paddle avec un cours de paddle complètement dédié. Le naming, juste pour rappeler à tout le monde, le naming, c'est en fait, on donne le nom de l'entreprise à un cours ou par exemple, ça se fait beaucoup sur les compétitions. Alors, ce qu'on voit, c'est par exemple la Ligue 1, c'est la Uber Eats, la Ligue de foot de basket, c'est la Jeep Elite. Ouais, en gros, l'entreprise donne son nom pour avoir plus de visibilité. Et donc, ça, vous pratiquez. OK, pour 15 000 euros. Voilà. Donc, en plus de laisser des créneaux disponibles gratuitement, forcément, puisque c'est une contrepartie,
hauteur de, je sais pas, 2 fois 2 heures par semaine sur 1 an, et auquel cas la société y trouve son compte, parce que en plus de faire plaisir à ses employés, elle peut aussi inviter les clients potentiels et donc profiter d'un instant de détente, et d'où l'extension du Clubhouse aussi, pour leur proposer en fait un petit service buvette, restauration, snacking, sans grosse prise de tête, mais un croque-monsieur avec un sur le plat dessus, donc un croque-madame, Super, non mais franchement, dessus c'est super, c'est une super idée, hein. C'est une super de la idée. partie. Ouais, alors la difficulté, alors attention pour les personnes qui regardent cette chose-là, à ne pas baisser les bras. Hein. On a été faire une demande de prêt hier, elle a été refusée. Enfin, je suis un peu pris le bec parce que voilà, c'est le Crédit Agricole pour ne pas les citer, ils sont partenaires du sport, mais quand on les finance pas, un petit peu à l'image de notre collectivité. D'accord. Donc voilà, faut s'atteler sur différents, je dirais, chevaux. Et quand il y en a un qui se ramasse, ben tu remets la selle sur un autre et tu repars au combat pour parce que sinon, voilà, Ça, c'est super tu intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, alors bon, vous, c'est un énorme projet. Alors, ben, sur, bon, les collectivités, elles ne peuvent pas financer tout le monde, donc des fois, c'est un peu compliqué. Les banques, pareil, en plus, en ce moment, je pense que tout le monde est un peu frileux. Imagine une nouvelle vague, on referme, tu vois. Donc, en termes de finances, c'est toujours un peu compliqué. Donc, je peux comprendre que les personnes freinent. Et l'idée que tu as dit, c'est par bon, l'analogie, toi, tu as pris le monde de l'équitation avec différentes selles. Et moi, j'aime bien aussi prendre l'image du modèle économique et des œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'à un moment, toi, tu as des subventions, partenaires. Tu as parlé de prestations, donc ça va être la buvette où on peut venir donc se restaurer. Le paddle, donc c'est aussi une prestation où en fait tu vas faire payer les cours et du coup vous allez pouvoir générer de la financement. Et en fait, on voit que petit à petit, tu as plusieurs ressources financières. Et grâce à ça, en fait, ça va permettre d'avoir un projet solide parce que imagine, tu en perds un, ben, plus de subventions, comme tu as dit, ben, la collectivité ne nous aide pas. Donc heureusement qu'il y a la fédération de tennis qui t'aide. Et du coup, ça vous permet quand même de dire le projet est viable parce que j'ai plusieurs financements. Et ça, plus tu as des financements, plus tu vas voir, ça va être facile aussi quand tu vas voir peut-être les banques et que ça va un peu se redébloquer, de dire voilà, par contre, nous, on a aussi un gros potentiel de financement avec plusieurs acteurs et ça montre votre sérieux. Et ça, je pense que c'est hyper, hyper important pour tout le monde, n'importe quel projet. Alors dans ce que tu dis, c'est, excuse-moi, c'est Oui, vrai, oui, c'est oui. pas vrai, puisque en l'occurrence, le projet à 240 000, c'est 2 cours de paddle, alors couverts, pouvoir jouer à longueur d'année par n'importe quel temps. Ouais. Le clubhouse, c'est 2 terres battues. Quand la banque nous a refusé le prêt, j'ai évoqué le fait d'avoir seulement les 2 cours de terre battue. D'accord. Pour parler chiffres, le club amène 35 000 euros d'apport. On a 35 000 euros de PGE, ça fait 70 000. Il y en a pour 100 000 les 2 cours de terre battue avec l'éclairage. OK. Donc on est à 70 000. On a 20 000 euros de département. Donc là, ça fait 90 000. Et on devrait avoir 20% du projet par la FFT. Donc ce qui dirait 110 000. Par contre, on touche les fonds du département au mois d'octobre pour un projet qui doit voir le jour en septembre. Et on touche les fonds de la Fédé, peut-être janvier ou février. Donc Ah oui, donc ça, ça me on a décale. besoin OK. d'une avance de trésorerie. L'avance de trésorerie, si tu l'as bien entendu, elle est de 30 000 finalement. C'est des Ouais. 70 000 pour aller à 100 000. Et ben même ça, la banque ne veut pas. D'accord, OK. Ah. Donc là, effectivement, les partenaires deviennent très très importants parce que c'est eux qui vont pouvoir pallier à cette chose-là et c'est là où on va mettre les bouchées doubles. Pour justement aller chercher du mécénat ou du sponsoring, hein, là on s'en fiche, ce qu'il faut c'est ramener de la finance. Donc, D'accord. voilà. Du coup, et alors, Mais donc au départ, quand tu as pris le projet, vous n'avez quasiment pas d'entreprise qui vous suivait. Et là, vous êtes combien à peu près? là aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on a 14 entreprises qui nous suivent. Pas mal. Ça représente combien en termes de ressources En termes de financières? budget, on est aux alentours de 8 000 euros. OK. C'est bien, hein. Franchement, avec cette période-là, tu vois, moi, à peu près, les personnes qui suivent la formation, au bout d'un an, elles ont en moyenne 5 000 euros. J'ai fait le calcul un petit peu. Donc là, bon, tu es au-dessus, mais là, je n'ai pas refait le calcul pour le mois de 2020, parce que ben, beaucoup d'entreprises ont fermé un peu les robinets, ce qui est bon, normal aussi sur certains points où ils n'ont pas pu travailler. Donc c'est toujours un peu compliqué d'ailleurs de participer au monde associatif. Mais du coup, 8 000.
Félicitations. C'est la Alors, hauteur de la compétition aussi. dedans, il y a deux ou trois partenaires qui sont des prestataires, dont Nature, où je ne peux pas Oui, pour l'instant te mais chiffrer c'est très bien. exactement, parce qu'on sait, en tout cas, moi, ma politique, c'est d'avoir de la souplesse. Donc, plutôt D'accord. que de, par exemple, avec Imprime 86, qui nous imprime ses plaquettes, et que tu les vois, parce qu'elles sont papier glacé, enfin, vraiment, Ouais, c'est qualitatif. je vais pro, quoi. Ok, super. Et j'insiste à proposer un produit qualitatif parce que ça donne une image un petit peu plus sérieuse au C'est clair. partenaire que tu vas trouver. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc cette partenaire, en fait, elle nous fait les impressions. En fait, je vais la voir. Je lui dis, voilà, Brigitte, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et en fait, on a convenu de faire la convention mise à jour avec la facturation au mois de novembre, de manière à se laisser vivre pendant toute l'année. Et pas Parfait. partir avec, il me faut deux Ouais. fois ou trois fois 150 exemplaires de cette plaquette, il me faut 30 exemplaires de ça, sauf que ça, je vais être à court. Ça, il y a de l'évolution, il faut que je Ouais. rajoute les partenaires, donc il vaut mieux faire Exactement. plusieurs impressions. Et puis là-dessus, bah, viennent s'intégrer des tournois ou des journées comme le 12 juin où on t'avait convié et on a besoin de faire du tirage de plaquettes. Ouais, Donc en ben oui. fait, on note tout et à l'arrivée, on quantifiera en fait financièrement de manière à faire bénéficier à notre partenaire de la déduction fiscale. J'ai fait exactement la même chose que vous, alors avec mon ancien club. En fait, donc là, on avait une solution d'imprimerie, d'imprimante, pardon. Ils nous prêtaient l'imprimante. Normalement, c'est un forfait 30 euros par mois. Et à la fin, en fait, ils avaient donné un budget. Ils nous ont dit, voilà, vous avez le droit à 1 000 euros de copie. Ça, c'est donc nous qui le prenons en charge. Et si vous dépassez, bon. Et en règle générale, en plus, il était toujours hyper généreux. Donc Julien, s'il regarde la vidéo, je remercie parce qu'il aide beaucoup mon associatif. Et tu vois, ça, c'est une dépense qui est quasiment incontournable, où en plus, on doit Ça. être pro, parce que vraiment, quand tu vas avoir des pros, il faut être pro. Moi, je dis toujours, le monde associatif, on doit être pro dans un monde amateur, tu vois. Donc, Oui, c'est ça. C'est ça. c'est hyper intéressant. Super intéressant, ça, comme conseil pour tout le monde aussi. De oui, l'argent, bon, mais c'est sûr que c'est bien d'avoir un don financier, mais... Des dons en nature qui permettent ben, finalement d'économiser sur des sommes, c'est aussi gagner de l'argent finalement parce que c'est une dépense qu'on a pu avoir. Ouais. Eh Ça, bien alors, c'est. bon, malheureusement, je n'ai pas pu être à cette journée et je te remercie encore pour l'invitation. Alors, pourquoi tu organises cette journée et quels étaient un peu ses bénéfices, toi? Ben, on va dire que c'était pour fêter l'après-Covid. Ouais, ben, ça c'est une excellente raison, vous avez bien fait. Mais ouais, j'insiste sur cette plaquette, je vais te la montrer parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important. Dans les dossiers qu'on a mis en place, il y a une part de com, et je pense que tu ne me contrediras pas. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, quand on fait une plaquette de présentation sponsoring, quand on fait une plaquette de présentation du club pour retrouver des adhérents, et quand on fait des plaquettes pour des manifestations, il faut qu'il y ait toujours une représentation, une charte graphique pour que ça percute Ouais, l'œil tout à fait. des personnes. Tout à fait, Et ouais. donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, et c'est ce qu'il y a là pour cette affichette du 12 juin, où en bas, on avait tous nos partenaires de cité. Excellent, ça Et c'est bien. ça, c'est important parce que c'était aussi un moyen de. Donc, la journée, c'était grande journée conviviale adulte et enfant. OK. Donc, ben pour le programme, c'était 9h animation adulte et enfant. 11h30, l'Assemblée générale. Donc, c'était aussi le but de cette journée parce que c'était l'Assemblée générale du mois de novembre 2020. Ouais. Mais ça, alors là, c'est un excellent conseil parce que tu sais, souvent on me dit, ah, j'ai personne à mon assemblée générale. Mais moi, alors, je leur dis tout le temps, mais couplez votre assemblée générale avec une animation pour les enfants. Parce que les C'est parents ça. sont déjà mobilisés, ils sont, voilà. Et à la limite, si tu peux même faire ton assemblée générale d'un côté et une animation de l'autre, tu vois, alors c'est bon, il faut que un des salariés ou un de tes coachs se détache, mais ça c'est hyper pertinent, quoi. Et au moins, les gens se déplacent pas pour rien et parce que bon. Ça, l'Assemblée générale, on l'esquive assez facilement quand on est C'est parent. ça. Ouais. Donc avec des horaires, hein, 9h, Ouais, 11h30, c'est hyper carré, 12h30. hyper organisé. Et alors, j'ai une question, je te coupe encore, désolé. J'ai une Ouais, vas-y, question. vas-y, Est-ce vas-y. que, donc, bon, afficher les partenaires sur la plaquette, bon, c'est quoi sur la plaquette de prendre, c'est top. Est-ce que tu fais la même chose sur ta plaquette partenaire quand tu vas voir les autres partenaires? Oui. Ouais, Alors, c'est super, super. pas sur cette plaquette-là. D'accord. Par contre, sur cette plaquette-là qui est systématiquement remise avec, Ouais. oui, on a tous les Voilà. partenaires de cité ici. Ça c'est un super conseil que je donne à tout le monde. Parce que aussi, on va vous dire, OK, moi, je veux bien participer à votre projet, mais qui vous a aidé, tu vois?
ça permet aux personnes de dire, ben voilà, on a 14 entreprises. Et ouais, quand tu commences à avoir déjà 14 entreprises, moi, je pense que dès que tu dépasses les 10, ça commence à devenir du sérieux. C'est-à-dire qu'il y a 14 personnes qui t'ont fait confiance. Du coup, bon, il y a l'effet de groupe qui fait, bon, mais s'il y en a 14 qui l'ont fait confiance, je peux bien lui faire confiance. Tu vois, c'est toujours plus facile. Et du coup, ça permet aussi de voir ben, qui sont finalement les personnes qui aident. Est-ce que toi, tu pratiques l'exclusivité de corps de métier, c'est-à-dire un seul plâtre, un seul plâtrier, un seul associé, Oui. okay. Alors, pas forcément sur les corps de métier, plus sur des choses qui sont importantes, c'est-à-dire que sur une manifestation comme celle du 12 juin, Oui. on avait un partenaire qui nous a offert l'apéro, qui nous a offert la tireuse à bière, voilà, Super. qui nous a bien aidé. Ah bah Donc, oui, c'est bien. lui, il est exclusif sur la journée. D'accord, toi tu fais des Voilà. concerts exclusifs sur une journée. Ok, Ouais. très très bien. Pareil sur le boulanger, puis le boucher pour les saucisses merguez et puis le pain. Donc là, j'ai pourtant dans mon escarcelle deux ou trois boucheries, deux D'accord. boulangers, mais je crois que sur une journée, c'est important de les mettre en avant, et là, on ne les met pas forcément en avant sur la plaque. Enfin, si sur la plaquette, c'était cité, sur le partenaire de l'apéro, par exemple, parce qu'on D'accord. disait Ouais, apéritif offert. du coup, quand tu crées ton partenariat, tu préviens un peu les entreprises en disant, ben voilà, on fait plusieurs animations, vous serez mis en avant le 12 juin, vous serez mis en avant en septembre, etc., quoi. Et en fait, tu fais ton Ça. petit roulement un petit peu comme ça pour que chacun ait une grosse exposition, d'un Oui, coup. Mais mais c'est une bonne alors stratégie. après, au niveau des partenaires qui sont plus financiers et moins prestataires de services, entre guillemets, on a des cavistes, par exemple, qui vont nous offrir des dons en nature, comme l'apéro, qui a été offert, et qui en même temps nous font un apport financier. Donc ces gens-là, en Très fait, sympa. sont privilégiés. Alors, dans quel sens ils sont privilégiés? Ils sont privilégiés, en fait, dans le remerciement qu'on leur offre, à savoir les logos sur le site du TC Valbert, sur Facebook, sur les plaquettes de présentation, sur toutes ces plaquettes de présentation qui vont à tout le monde, qui vont à tout le monde, et qui sont distribuées auprès des entreprises. Les partenaires sont cités là. Et on les rajoute, c'est-à-dire que systématiquement ils seront mis. Après, sur la plaquette sponsoring, pour une histoire de place et une histoire aussi de présentation et vraiment d'idées purement entre guillemets de présentation et de développement, c'est pas intégré. Par contre, on peut, je regardais tout à l'heure, y intégrer ici et là sans les logos couleurs, hein, mais en monochrome le nom de la boîte. Comme ça donne une idée, pardon, effectivement, au partenaire, tout en sachant qu'il y a quand même cette plaquette qui est distribuée. OK. L'autre chose, c'est que on fait aussi, pour remercier, donc différentes formules, celui qui va offrir 500 euros, 1000 euros, 1500, 2000, 2005, 3000, Ah oui, vous avez fait ça. OK. ah ouais, enfin, dans le but, en T'en as fait, combien de packs différents, toi? Là, j'en ai créé. Alors, je vais vous montrer. Là, j'en ai sept. 7, OK. Sept plus un sur-mesure. C'est-à-dire que moi, enfin, je considère que la vie est comme ça, elle est Oui, il faut imprévisible. s'adapter. Ouais, mais pourquoi Elle est pas? Moi, imprévisible. Donc, c'est vrai que je préconise toujours 3 pour un peu le truc un peu plus simple. Mais écoute, si toi, tu t'y retrouves, ah bah. ben, je vais les présenter. Tu vas voir. Donc, sept. Non, ça c'est les supports de communication. Donc ça commence là avec l'offre 1, c'est D'accord. l'offre master. Alors je vais les présenter, ce sera plus simple. On a l'offre 1 master 500. Donc là, inclut votre espace. Donc c'est des formules de bâche. Une bâche, deux bâches, trois bâches ou quatre bâches sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ok, Ça, d'accord. c'est pour avoir un produit d'appel. C'est ce qu'on retrouve dans la plaquette de présentation, en fait, le petit feuillet. Juste pour dire, voilà, on peut avoir ça. Pourquoi l'idée des bâches? Parce que tout de suite, il y a la lisibilité. En fait, dans le gymnase et en extérieur sur les courts. Donc, comme il y a les clubs de foot à côté, le hand et tout, ça permet d'être bien mis en avant. Inclus dedans votre espace publicitaire sur écran tournant au clubhouse. C'est-à-dire qu'au Ok. clubhouse, on a un écran pour regarder les matchs de Wimbledon en ce moment ou Roland Garros, peu importe, Ouais, et on a carrément. un autre écran où on a les partenaires qui défilent. Ok, donc grosse mise en avant, vous, grosse mise en valeur des partenaires. Oui. Ok, super. Diffusion de votre logo sur tous nos supports publicitaires, donc Facebook, site internet, Instagram, affiche de tournoi. Ok. Diffusion de votre logo sur plaquette de présentation du club, donc cette fameuse présentation.
sauf pour la Formule 1, une bâche. Parce qu'en fait, je me suis aperçu cette année que pour deux prestations à valeur identique, mais un en numéraire et l'autre en avantage en nature, eh ben, il y en avait un qui était lésé. Et moi, j'aime bien l'idée quand même d'être transparent et de pouvoir se regarder dans une glace et de dire, bah, somme identique, tout le monde a la même chose. Oui. Je trouve que c'est bien aussi de... D'un moment de, c'est pour ça que je propose des packs, c'est-à-dire que bah, tu donnes ce que tu peux donner, mais c'est aussi si tu donnes plus, bah, tu as un peu plus, t'as ce plus. Qui moi paraît normal, quoi. Ok, d'accord. Ouais, et du coup, alors là, c'est que du sponsoring, vu qu'il y a quand même pas mal de contreparties, je suppose. Non, là, on est sur du mécénat. D'accord, parce que les bâches, en fait, ça rentre. Alors, pour rappel, on a le droit à 25% de contrepartie. Oui, voilà. On bascule sur quand même du sponsoring. Donc là, oui, donc tu as tout calculé pour qu'en termes de budget, ça rentre complètement, ouais, quoi. Tout okay. à fait. Non, mais c'est important de le dire aussi, parce que du coup, voilà, on peut remercier les mécènes, on peut dire merci, mais il faut faire attention à pas dépasser la limite, que ça devienne un peu une offre trop commerciale, en fait. Ouais, c'est ça. Sur l'offre 2, donc Master 1000, en plus de l'offre 1, on a présence de votre logo sur notre site avec un lien direct sur le site partenaire. C'est-à-dire que pour le grand public qui vient sur le site du TC Valvert, il a besoin, je sais pas, d'un plombier. On a un partenaire plombier. Et il clique dessus. Voilà, il va sur son site. Et en plus, ensuite, alors pour ceux qui connaissent pas derrière, ça s'appelle un backlink. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de notoriété sur Google, Google aime bien avoir des personnes qui se recommandent entre sites, en fait. C'est comme chez nous, dans la recommandation entre humains, quand on se recommande, c'est bien de se recommander en tant qu'artisan. Mais là, si un site recommande un autre site, Google, il aime bien et du coup, il le positionne un peu plus. Donc, ce qui fait un backlink supérieur et du coup, le plombier sera un peu mieux positionné par rapport à ses concurrents. Donc, c'est plutôt pas mal. Là-dessus, on a rajouté 1h30 de cours collectifs pour deux personnes pendant une saison sportive. Ok. Sportive. Sur l'offre 3, c'est le grand chelem, c'est à partir de 2 500 €. En plus de tout ce que je viens d'énumérer, il y a la licence et la cotisation pour deux personnes pendant une saison sportive. Tout ce que est proposé là en contrepartie financière, en fait, que le club offre, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, le calcul a été fait par rapport aux 25% de 2 500 € et le cumul de ce qu'on offrait. Ouais, il faut faire juste attention à ça. Okay. Les 25%. Après, l'offre 4, c'est l'Open, c'est identifier notre tournoi à votre nom. Donc là, c'est le tournoi va être le tournoi, par exemple, Optimasso, avec des formules tournoi jeune 1 000 € plus 4 coupes, tournoi senior 2 000 € plus 6 coupes, TMC, donc tournoi multichance jeune sur un week-end 600 € plus 2 coupes. Offre 5, Monte Carlo, pareil, on décline, mais là, avec des sommes un peu plus importantes. Offre 6, Paris-Bercy, c'est sponsoriser une soirée conviviale. Donc, on offre vraiment plusieurs possibilités. Il faut que les gens, en fait... Et là, je vais reprendre par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et je vais t'expliquer un petit peu mon ressenti. Offre 7, Doha, votre nom, dotation de l'eau pour un tournoi. Donc là, c'est un tournoi, en fait, semi-pro. OK. Pourquoi plusieurs formules? Et donc, il y a une phrase dessous qui dit « Si aucune option ne vous correspond, consultez-nous pour une offre personnalisée avec mes coordonnées. » Au départ, on avait 3 propositions et finalement, je trouvais que les partenaires utilisaient beaucoup ce document en papier. Et moi, je suis très tactile aussi, donc je préfère ça au virtuel, et voilà. Et donc, je chantais qu'il y avait des choses qu'on pouvait proposer, mettre en place, mais il fallait vraiment que la personne soit de visu et il fallait pas qu'on lui ait remis ce document parce qu'elle s'y perdait. Donc, d'accord. Je me suis dit, plus je vais faire des offres différentes avec des thématiques différentes, sponsoriser une soirée conviviale, ouais, votre formule identifier notre tournoi, votre nom, enfin voilà, ça permet en fait de leur ouvrir des portes. Et quand ils ouvrent une porte, on discute ensemble et on regarde ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on reste sur ce qu'il y a figé et donc de proposer sur le papier, ou est-ce qu'on rajoute encore un petit peu plus et auquel cas les sommes aussi augmentent en fonction du projet. Là, cette semaine, on vient de prendre 2 500 € avec un partenaire qui est dans la cosmétique, Benjamin Guyot pour le citer. Félicitations.
Voilà. Donc lui, il a une petite famille où ils sont quatre et ils font tous les quatre du tennis. Donc évidemment, par exemple pour lui, la formule Grand Chelem à partir de 2500 euros, donc 1h30 de cours collectif pour deux personnes pendant une saison. Ils sont quatre, hein. Donc il y en a deux qui profitent de ça, 1h30 de cours collectif. Et licence et cotisation pour deux personnes pendant une saison, il y en a deux, donc il en reste deux à charge. Sachant aussi qu'on a mis en place au club pour la future rentrée, pour la saison prochaine, un tarif dégressif pour les cotisations licence. C'est-à-dire que si je viens, je paye plein pot si je suis tout seul, mais si j'amène toute ma famille, ben, je pense que c'est important de faire un geste pour le deuxième, pour le Un troisième et le tarif quatrième. familial. Ouais, c'est bien de mettre en place pour les adhérents. Bon, même si tu n'as pas de partenaire, je pense que tous les clubs devraient le mettre en place. Oui. Ok. Bah cool, bah écoute, alors franchement, bravo, félicitations, parce que ça fait à peine un an finalement que tu as suivi la formation et je vois que tu as un dynamisme et vraiment tout ce que tu as mis en place, c'est hyper pro, donc bravo. Avant de finir l'échange, j'ai quand même une dernière question à te poser. C'est un truc que moi je pose à tout le monde. Est-ce que tu as un livre, une chaîne YouTube, une page Facebook que tu suis qui peut aider le monde associatif dans son développement ou voilà, un truc qui toi t'a aidé pour en tant que bénévole du monde associatif? Bah, on va pas me prendre au sérieux dans ce que je vais dire, mais il y a une newsletter que je reçois. Alors même si je suis pas très actif sur les réponses, je la lis. Je regarde, voilà. Donc Je crois cette qu'il. newsletter, elle est envoyée par un certain Clément de l'association Timasso. Donc mon Merci. portable, je m'en sers, donc je peux pas vous montrer, mais sincèrement oui. Et j'ai une autre petite bible qui est sur mon bureau, et c'est vrai. Alors les gens vont se dire, c'est pité, mais Clément, je te l'ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer une vue après de mon bureau, comme ça vous comprendrez que je vous raconte pas de bobards. Mais là j'ai un petit livret aussi qui a été remis par qui a été fait par notre partenaire, donc Clément d'Optimasso. J'ai travaillé avec Et le GDOS 86, on va aussi les citer parce ouais. que ils sont hyper dynamiques aussi pour le monde sportif. Et Donc. donc, dans le contenu de la formation, il y a présentation du groupe, les partenariats privés, la boîte à outils, la communication, la création d'une communauté, discours type, avant-après, questions diverses, questions d'info. Bon, donc moi, je m'en suis appuyé forcément parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses, entre autres le document CERFA à remplir, très important le document CERFA. Que c'est celui-ci qu'on remet, pardon, aux entreprises pour être défiscalisés, mais aussi parce que voilà, cette formation a été clean, donc j'ai envie de donner un conseil, c'est appuyez-vous de ce qui vous est proposé, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil quand vous êtes comme moi dans la panade chez un partenaire à pas savoir parce que vous êtes dos au mur, on a le droit de découvrir. À 80 balais, on apprendra encore, donc c'est la force de cette J'espère, ouais, j'espère. ouais, société. Et je me souviens particulièrement d'un rendez-vous chez un partenaire, en fait, avec le papa et puis le fils. Et donc, je suis un petit peu dos au mur, bloqué sur une question qu'il me pose. Et ben, pour être transparent, en fait, j'appelle Clément et je mets le haut-parleur de manière à ce que mon partenaire entende des propos pas déformés que moi j'aurais compris de travers, mais vraiment la réponse de Sur Clément. la Et au moins, discussion, j'entends. Ouais. ouais. Et au moins, ben, c'est transparent, c'est clean et ça rassure. Ben Donc, merci, c'est vraiment sympa de ta part. Ouais, bon, sur la newsletter, donc je mettrai le lien en bas si vous voulez vous inscrire. En fait, j'envoie tous les mardis un conseil avec des thématiques mensuelles. Donc là, par exemple, c'était sur la productivité, comment gagner du temps pour son association. Le mois de juillet, ça sera sur le leadership et comment manager une association. Voilà, et donc j'essaie d'apporter un maximum de valeur. Merci bien. Et pour la formation, alors, pour l'instant, les sessions, elles sont fermées. Je pense que la prochaine, elle rouvrira en octobre. Mais bon, je tiendrai au courant tout le monde. Et voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà m'envoyer un message ou tout. Comme dit Stéphane, je suis assez disponible pour toutes les associations. J'essaie de prendre du temps, faire des coachings, même gratuits. Les premiers sont gratuits pour vraiment vous aider un maximum. Et s'il y a des questions, il y a un service après-vente, même des formations. Après la formation, il y a quand même un suivi, et un contrôle continu. Je sais pas si on peut appeler ça, c'est un peu la mode en ce moment avec l'éducation ouais, nationale. c'est ça. Il y a un suivi continu où faut pas hésiter, au contraire. Et en plus, ça évolue tout le temps. Donc c'est vrai que j'essaie d'être à jour et de faire une veille sur ça pour tenir au courant tout le monde. Ouais, si j'ai un petit dernier conseil à donner par Ah ben rapport bah oui, bien sûr, bien sûr. au partenariat, aux recherches, n'hésitez pas d'aller frapper. Alors, pour moi, c'est important d'avoir un document papier qui permette de
Ces deux documents-là, hein, la plaquette de présentation du club avec son effectif et la plaquette du pourquoi on fait ces demandes de dons. Donc, dedans, on a étayé hein, entre un pôle performance, qu'on ait l'utilisation. Première page. Et ça encore, quand je disais, c'est le book, le fameux livre que moi j'utilise, donc celui de Clément, c'est-à-dire on a un ordre à effectuer. Et la première page, en fait, de notre book, c'est l'utilisation des dons de mécénat et de sponsoring. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour expliquer à quoi vont servir les fonds. Ensuite, on fait une présentation assez détaillée du club. Et ensuite, on explique le pôle performance, le centre de formation, les événements et les communications. Donc, les événements qu'on va mettre en place au long de l'année pour nos partenaires et pour tout le monde. Et ensuite, les supports de communication et de visibilité. Et ensuite, la déclinaison des offres. Et sincèrement, on a eu d'excellents retours et sur notre journée partenaire, par exemple, du 12 juin, où là, en fait, c'est des partenaires qui sont venus à moi. C'est-à-dire que des parents, chefs d'entreprise, de gamins qui jouaient dans le club, ben, ils ont eu dans un premier temps cette plaquette. Puis, ben, comme j'ai toujours ma petite sacoche avec les dossiers de mécénat et de sponsoring, hop, quand il a commencé à mordre à l'option, ben, j'ai un petit peu ferré la touche en lui présentant la plaquette de sponsoring. Et du coup, il me regarde et tu pourrais m'envoyer par mail? Ben non, regarde le document, il est pour toi, j'en ai d'autres. Et super. Donc, voilà. Donc, en fait, faut surtout jamais baisser les bras. Ne pas hésiter à faire du démarchage. C'est-à-dire qu'on a rendez-vous dans une boîte. À côté, il y a 3 ou 4 boîtes. Bah, j'ai eu de la lumière. Je me suis arrêté. Je vous dépose un petit dossier. Je peux avoir le nom de tel responsable. Est-ce que, voilà, qui s'occupe des mécénats? Monsieur un tel. Ah, il sera dispo dans 15 jours. Bah, écoutez, est-ce que je peux le recontacter? Non, c'est lui qui reviendra vers moi. Bon, bah, très bien. Donc, je me note tout ça sur mon petit book. Je fais mon petit reporting le soir pour avoir mon petit classeur qui me permet de savoir où je suis allé, où je suis pas allé, qui je dois relancer ou pas relancer. Moi, je suis pas pour le harcèlement. Donc, s'il y a une personne qui me dit qu'elle reviendra vers moi, j'attends qu'elle revienne. Oui. Qu'elle revienne. Je fais pareil aussi. Si après, il s'écoule 6 mois, ouais, effectivement, je vais peut-être retoquer ou représenter une nouvelle plaquette ou alors envoyer une petite invitation, piquer le rappel. Ça, c'est top. Bah, bravo. Écoute, je vois que tout ce que tu as appris, tu l'as mis en place et vraiment, je peux que te féliciter et le TC Valvert a de la chance d'avoir une personne en France comme toi. Stéphane, je vais te souhaiter une très bonne journée. Eh ben, écoute, merci à toi aussi, Clément. Et puis, n'hésitez pas à venir rejoindre les formations. Franchement, elles se passent dans une bonne humeur avec plein de petites conneries à la clé. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane, en tout cas. Bon, on restera sur ça. Allez, c'est le dernier mot de la fin. Très bonne journée, Stéphane. À très bientôt. Salut. Merci, à très bientôt. Salut, Clément.